Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Prends le sens, ça sera trop long, mais c'est pas fini. Avec Diarra, le latéral droit pour le latéral gauche. Diarra maintenant avec son pied gauche. Le centre, il est bien fait. Ça va revenir dans les pieds de Miller. La frappe de Miller. Elle est... Allez, on va Diarra sur le côté gauche. Diarra encore en possession du ballon. On va s'appuyer Mbatiam. Il parvient à centrer dans son premier poteau. Et premier danger sur le but de Marc-Antoine qui va frapper. Le ballon contré par Chouacha, mais le ballon toujours normand. Avec Boateng sur le côté gauche, il y a une solution. Avec ce centre, la tête de Mazis. Et ce ballon qui passe devant le but. C'est de l'autre côté avec Bassa. On est passé dans la surface de réparation des joueurs de QRM. Ça va revenir le centre de Diarra. Il est bon ce centre, la tête et la première occasion. Il y a un peu de temps. D'accélération de Bawuya, mais ça revient bien dans son dos, il retouche le ballon derrière en Ouais, c'est évident, mais en tout cas il a été validé par la communauté de commune de Cholet, donc c'est bien, le bon ballon pour Bawuya là, pour pouvoir servir par Kevin Rocheteau, et c'est sorti en corner par le club. On s'est bien joué. L'occasion pour Bassa peut-être. Du break il y a quelques instants. Diarra qui va devancer, super vite. Diarra dans la surface, le centre tir de Diarra. Et Simon Fournevé qui est bien en place. Alors, il met beaucoup de mobilité, il va beaucoup dans les interlignes. On voit très bien joué de la part de Diarra. C'est ce qui est fait. Diarra pour Boateng. Pour Bradley Mazik. Allez, retour au stade de sport. 0-0 bien sûr. On tient informé évidemment des premiers résultats de ce joueur pour l'instant. C'est 0-0, attention avec une première frappe. C'est qui est mené sur la position. On pense à la conservation également à 0 par tout ailleurs. C'est 0-0 comme ici à Cholet. Il y a 3-4 dernières minutes de cette première période avec des gens qui attaquent. D'attaquer. Diarra,
Diarra côté gauche. Et on n'a pas signalé, mais juste avant la pause, Pau a doublé la mise hein, face à Adolphe Andresse 2 à 0. Là aussi important dans la lutte pour l'Andresse. Je l'en remercie. Diakari Diarra pour RL, la déviation RL pour retrouver Diakari Diarra qui a poursuivi sa course. C'est une faute. Là il y a une faute de Youssouf Ndiaye qui est signalée par M. Zéhoui. On va réaliser la première partie de saison et Et le voici justement d'ailleurs qui percute côté gauche, il a passé Diakari Diarra et va venir soutenir un corner. Et qui se coupe côté droit de la surface, le centre de Bastien Lenay, ça revient de l'autre côté maintenant avec une première situation offensive, la première frappe qui est arrêtée par le gardien. Notamment avec Reda Radeil. Il n'y a pas a priori sur cette prise de balle, le centre en retrait. Retrouve la victoire grâce à Gomis, le buteur, à la 72e minute après sa défaite contre le Red Star. Attention, le long ballon là, Milor, peut-être faire attention dans le contrôle. L'intervention de Bénédicte, Milor, il a encore le ballon dans la surface. Et l'accélération peut-être des avancées avec Diarra qui va prendre le couloir pour le service justement. Diakari Diarra le centre. Oh, heureusement qu'il y avait le collégium de Kerr après la crise d'hier parce que sinon pour l'actuel, on aura tous se charger d'aller miner la mise. Ça, ce serait même intelligent parce qu'il y a un deuxième but pour être parfaitement à l'abri. Il l'a vu effectivement, Kevin Serrel, petit ballon piqué. Boateng qui récupère encore ce ballon du côté d'Avranches, on n'arrive pas à se sortir justement de cette zone du côté de QRM. Le capitaine Diarra maintenant avec ses bienfaits pour Boateng, ce ballon il n'est pas sorti, il y aura un hors-jeu. Signalé par l'arbitre. Chafi Kaba. Diakari Diarra. Professional highlights. Aiden Scouting Network.